répète, appel à toutes les unités. On a un code 0306. BANDA, apostrophe, tiré du milieu, hashtag LDO, non, apostrophe LWO, merde, j'en suis. OF 2020 ou 18, on demande une équipe sur place pour un nettoyage. C'est pour une urgence de cas de possession démoniaque de fantômes sur une entité de type maison. Équipe Grizzly et Louveteau. C'est pas nous, ça ? Grizzly et Louveteau. Bah que oui. Prendre le dossier, bien sûr, c'est nous. Ça va démarrer, là, hein ? Il a peur ? Équipe Grizzly et Louveteau. Bon. Allô ? T'as entendu la voix dans la boîte ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? T'as entendu qu'elle a appelé moi ? Tu sais pourquoi elle a appelé moi ? Parce que t'es avec le meilleur des gens qu'il faut qu'on appelle. Ok, alors maintenant, gamin, faut pas que t'as peur. Que je meurs sur le champ si je suis pas le meilleur chasseur de fantômes de tout le Massachusetts. Bah, on est dans le Jura, monsieur Duster. Ah, t'es un petit rigolo. Il veut faire le mariole ? Il a de l'humour ? Oh ! T'as un petit bout du train, toi ? On verra bien que c'est qui va rigoler après qu'on aura plus faim, là. Allez, démarre. Mets la ceinture. Connard, bah. Calé, monsieur Duster. Mais non, on est arrivé. Allez, action là, au lieu de. Quoi ? Tu parles beaucoup, mais pour agir, il n'y a plus personne, hein, des feux. On va y aller, gamin. Il a peur ? Non, pas peur. Il a peur ? Pas peur. Il a peur ? J'ai pas peur. Dis que t'as peur. J'ai pas peur. C'est bien. Là, gamin. Tu sais ce que c'est, ça ? Il sait ce que c'est ? Non, il sait pas ce que c'est. Pulvérisateur 3000. Pulvérise un fantôme au moins 3000 fois. Tiens, prends. Tiens. Il veut ? Il veut pas. Il veut ? Il veut pas. Oh, moelleux, c'est pas un jouet. Tiens, gamin. Oh ! C'est pas un jouet. Ah. Moi, prends ça là, tu me couvres. Moi j'ai ça, tu sais qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est... Détecteur de fantômes, boum, zéro, on recommence, c'est ce que c'est ça ? Ça c'est un détecteur de fantômes. Bien vu. Allez, roule. Il ferme le coffre et il dégage. Il m'attend devant l'entrée. Monsieur Duster ? Deux secondes. Je vous prends un peu du matériel encore. Vas-y, roule. Attends, papa. Au fait, tu t'appelles comment, gamin ? Je m'appelle John, monsieur. John ? Attends-moi là. Attends. Oui, monsieur Duster. Hé, maintenant ! Comment tu t'appelles ? John. Je m'appelle John. Attends. T'es John ? Et t'attends ? Jonathan ! Oh, hey, oh. Maintenant, Jonathan, t'arrêtes de faire le con. Oh. Tu restes à côté de moi et tu gardes les pieds sur les épaules. J'ai pas compris, monsieur Duster. Les pieds... Écoute, gamin. Promio, tu vas m'appeler Ghost.
On est amis maintenant. Deux yeux, tu fais attention à tout qu'est-ce que je dis parce que t'as pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages. Je suis pas ton ami, je suis ton patron, ok? Tu vas pas me faire prendre des V6 pour des mitaines. Ouh! Marche pas avec moi. Pardon, monsieur Ghost. Bah c'est pas grave, allez roule. Comment on fait, monsieur Ghost? On sépare? Pas mal. Très bien. Il a pas peur? Pas peur. On va se séparer. Tu vas par là, je vais par là. Si t'as un problème, gamin. Regarde. Là. S'il a un problème, il m'appelle. Pourquoi un pistolet? Parce que si les fantômes, ils traversent les murs. Les balles, elles traversent les fantômes. Allez, roule. Fantomas. De la salade. Ça c'est paranormal. Hey gamin, tu veux pas qu'on fait une pause là? Je suis au bord du rouleau. Oui, j'arrive, monsieur Duster.
Alors, gamin, la première journée, ça fout la frousse, hein? Bah non, ça va. En fait, j'ai rien vu de particulier, donc c'est vrai que j'ai pas... ça fait pas non plus... J'ai rien vu de particulier, alors c'est vrai que... Oh, bah évidemment, tu vas pas vendre la peau du bœuf avant de l'avoir volé. Vous avez vu des trucs, vous, monsieur Ghost? Ouais. J'ai vu des petits trucs, des petits signes, des petits trucs, par-ci, par-là... Mais t'inquiète! On va les avoir, les plottergeists. C'est quoi, c'est un plottergeist? Je sais pas ce que c'est un plottergeist. Plottergeist, c'est comme toi. Comme moi. Un peu plus comme toi, quand même. Sauf que c'est mort. Transparent. Mais pas gentil. Et je peux te dire, mon gars, que moi, vivant, les plottergeists, y'en a pas un seul qui va rester ici. Nous, on va travailler toute l'après-midi d'arrache-pied jusqu'à ce que les plottergeists, ils sont plus partis d'ici, ok? D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Allez, au boulot! Allez, y'a du travail, on y va! Oh! Oh! On a dit que c'était la pause, là. C'est moi qui vais tout faire aussi ou c'est toi qui es apprenti, là? Parce qu'il y a quand même pas les pieds là. Il y a pas les jambes et tout ça là, quand même. T'es abruti, tu vois bien les ficelles là, collées avec la pâte à fixe là. Va lui enlever son drap vite, on n'a pas que ça à faire, mon gars. Je crois que j'ai trop peur, monsieur. Allez-y, vous. Dépêche-toi, allez. Oh, allez-y, vous, c'est pas la grand-mère à boire, hein. M'oblige pas à mettre la fessée là. Elle va partir, celle-là, tout droit dans ta fesse. Vous êtes pas mon père, ok? Oh, je suis pas un perroquet, ok? Bon, allez. Aujourd'hui, toi, tu te bordais de ta gliatelle, je vais le faire pour toi, mon gars. Moi, un drap qui flotte comme ça, ça me fait ni chaud ni flamme. Alors j'y vais, regarde bien. Au mieux être sale que mal empalé. T'es là, toi. Oh, avec 2 heures que je te cherche partout, t'étais passé où encore? Ouais, j'ai un peu mal à la tête. Si vous pouvez faire une pause. Ouais, une pause, encore une pause. Eh, déjà, à cause de toi, on a fait des pauses toute la journée. T'as vu maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, t'es venu pour éliminer tous les fantômes, on en a mis 2 de plus.